Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief de Tindouf Al Ayoun, la route de la dignité. Le documentaire inédit réalisé par Média 1 TV est une investigation exclusive qui porte un regard glaçant sur la situation humanitaire et des droits de l'homme dans les camps de Tindouf. Pendant 5 jours, la journaliste espagnole Patricia Medjidi-Juez a recueilli des témoignages de simples habitants, mais aussi de médecins espagnols et de travailleurs humanitaires détaillant le vécu dans les camps contrôlés par le Polisario. Une juxtaposition de la vie dans les camps de Tindouf et dans les villes du Sahara marocain, essentiellement Layoun. Le contraste est saisissant et les images sont impressionnantes, car les perceptions qu'elles renvoient sont éloquentes et les différences entre les niveaux de vie ici et là-bas sont ahurissantes. Par ailleurs, depuis la semaine dernière, les camps de Tindouf connaissent de nouvelles tensions selon des informations rapportées par diverses sources concordantes. Plusieurs tentes, dont une qui accueillait une délégation étrangère, ont été incendiées suite à un litige tribal. Nous y reviendrons avec nos invités. En seconde partie, nous irons en Algérie où, avant même son installation à la tête du Conseil constitutionnel, le successeur de Tayyip Belaïd, Kamel Fennich, est montré du doigt sur les réseaux sociaux alors qu'il n'était pas du tout connu du grand public. Le but était de faire remplacer un homme de main d'Abdelaziz Bouteflika par un quasi-anonyme pour atténuer l'effervescence dans la rue. Eh bien, c'est raté. Kamel Fennich a un passé controversé et est déjà contesté et rejeté par l'opinion publique. Avec nous pour débattre de ces deux sujets ce soir, Hassan Saoud, vous êtes analyste politique spécialisé dans la région du Maghreb. Charqaoui Rodani, vous êtes universitaire et expert en géostratégie. Naïm Kamal, vous êtes directeur fondateur de Quid.ma. Merci, messieurs, et merci d'être avec nous ce soir. Alors, un tour de table, rapidement. Vous avez suivi donc le film documentaire de Tindouf Al Ayoun, La route de la dignité. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les témoignages recueillis auprès des populations à Tindouf et aussi Al Ayoun? D'abord, que ça confirmait tout ce qu'on a toujours dit et colporté sur ce qui se passe dans les camps de Tindouf, c'est-à-dire une vie de misère, une vie de misérable, puisque c'est de l'actualité de parler de Victor Hugo avec ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris, et une vie de répression, d'insécurité, d'instabilité, enfin, de tout ce qui peut, à la limite, être considéré, et il faudrait peut-être y réfléchir, comme un crime contre l'humanité. Parce que il y a des gens qui sont séquestrés. On est en train de voir les images justement sur l'écran. Il y a des gens qu'on dit souvent séquestrés sans que vraiment on saisisse réellement cette réalité, qu'on la touche du doigt de la main. Avec ce reportage, on a pu la voir, que quand on parle de séquestration, c'est vraiment des gens qui n'arrivent pas à se déplacer, qui n'arrivent pas à bouger, en dehors de ceux qui sont impliqués dans les différents trafics et les différentes contrebandes qui se passent dans toute la région et qui utilisent précisément cette insécurité, ce manque de droits dans cette région pour s'enrichir et en profiter aux dépens de ces populations qui sont originaires de Mauritanie, qui sont originaires de Mali, c'est-à-dire qu'ils ont été à la croisement, c'est-à-dire toutes les misères du monde ont été se réfugier, ont été se faire mobiliser également. Et d'ailleurs, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, le refus d'Alger persistant de ne pas procéder au recensement de ces populations vient de cette réalité que cette population n'est pas authentiquement sahraoui, du moins originaire du Sahara marocain, et il vit également dans des conditions d'insalubrité totale imposées. C'est un choix de vie, c'est-à-dire c'est un commerce de la misère, de l'image, de gens qui auraient fui leur lieu de résidence, qui auraient fui leur habitation, leur région, leur famille, pour fuir la répression soi-disant marocaine. – Je reste sur répression, la journaliste espagnole a utilisé le terme « peur ». En arrivant à Tindouf, dans un climat de suspicion, de peur, et donc effectivement, ce qui laisse penser à une répression assez forte. Charqaoui Rodani, une impression globale sur le documentaire ? Oui, le reportage, encore une fois, il braque les projecteurs sur une situation malheureusement délicate, difficile, compliquée, dans laquelle vivent les séquestrés dans ce camp de Tindouf.
C'est une prison à ciel ouvert. Les gens sont séquestrés d'une manière inhumaine, d'une manière que maintenant les choses, malheureusement, doivent être traitées avec une autre manière. Et ça montre aussi que ce reportage, à travers le reportage, c'est qu'aujourd'hui, la situation vraiment, il est ce qu'on appelle dans une conception très compliquée, très difficile. Vous permettez une seconde. Oui. J'espère qu'on voit l'image de ce personnage. Ce personnage qu'on voyait. Il est juste passé à l'écran, oui. Oui, le voici. Je crois j'espère qu'on le voit là-bas. C'est un témoignage poignant, celui d'un ancien prisonnier du Polisario qui vit toujours là-bas et qui a accepté, le voici, à témoigner à visage découvert et qui, de ce fait, risque sa vie. Oui. Qui, de ce fait, risque sa vie et qu'il va falloir le couvrir suffisamment pour le mettre à l'abri et le protéger. Il faudra suivre ce qui va se passer donc, par la suite. C'est une situation chaotique, longtemps maintenue. Et malignement entretenu dans le sens qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte d'omerta sur cette situation compliquée dans laquelle les gens sont séquestrés. Il faut le dire, l'année dernière, dans la 4e commission de l'ONU, plusieurs observateurs sur la décolonisation, plusieurs observateurs et experts internationaux ont lever le voile sur cette situation dramatique dans laquelle s'engloutissent les gens dans les camps de Tindouf. Et je pense aujourd'hui, à la lumière de cette situation chaotique, il y a des dangers qui guettent la stabilité, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que maintenant la situation géopolitique dans la région peut être plus catastrophique, vu maintenant il y a des recruteurs. Quand les gens sont désespérés, donc il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de solution, il y a des commanditaires qui cherchent à persister ou à faire vivre ces gens-là dans l'instabilité, dans l'insécurité et loin de la dignité humaine. Donc les gens peuvent demain après-demain être recrutés par des groupes terroristes qui s'éclosent comme des champignons maintenant dans la région sahélo-saharienne. Et je pense aujourd'hui, il y a c'est le moment ou jamais de dire stop à cette massacre, stop à ce traitement inhumain. Et aujourd'hui, il faut vraiment trouver une solution politique. Le traitement inhumain, justement, voilà. c'est le témoignage de la personne dont parlait Naïm Kamal à l'instant. Effectivement, c'est inhumain, c'est le système de répression. Mahfoud, Hassan Saoud. Ce document est très important à plusieurs titres. D'abord, la réputation de l'enquêtrice, connue pour son impartialité et ses capacités d'investigation. Patricia Medjidi-Juez. Exactement. Secondo, il fait un état des lieux réels qui sont aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, vous voyez une… C'est vrai qu'il y a très peu de jugement de valeur. Il y a simplement un commentaire tout à fait neutre. Tout à fait, voilà, une description de ce qui se passe. Elle laisse le commentaire à celui qui voit le document. Voilà. Donc ça, c'est un intérêt d'abord intrinsèque. Secondo, ce qu'elle a montré, c'est… Évidemment, vous allez d'un monde à un autre, dans un monde où toute une population… et fait l'objet d'une prise d'otage collective, sans liberté, avec un tribalisme exacerbé et de la discrimination tribale, qui a été d'ailleurs à l'origine de ce que vous venez d'expliciter dans votre introduction. Les troubles qu'il y a actuellement dans les camps de Tindouf, oui. Et dans la ville de Aïoun, vous avez une population qui est déjà au travail, vous avez des institutions électives qui travaillent. Moi, j'avais l'impression qu'on était dans une autonomie. Les élections se sont passées très bien, les gens travaillent, des projets structurants en cours, de la machine administrative rodée. Vous avez des enfants du Sahara marocain qui sont à l'œuvre eux-mêmes, responsables dans des institutions de l'État. Et le contraste est saisissant. Et je pense que l'intérêt de ce document, nous, on le savait. Mais il faut que beaucoup d'autres, notamment en Europe,
en Occident en général et en Afrique, pour qu'ils soient vraiment conscients de la situation de cette population marocaine du reste et qui est prise en otage, séquestrée, sans aucun droit. Alors je reste sur cette expression que vous avez utilisée, Hassan Saoud, de prise en otage collective, mais en plus de la prise d'otage, il y a de la spoliation, il y a du pillage. Et à ce propos, Naïm Kamel, il y a plusieurs humanitaires et médecins étrangers, espagnols, qui affirment qu'il y a beaucoup de médicaments qui arrivent, qu'il y a une manne qui arrive en nature, en matériel, et qui est pillée par des gens qui sont supposés, enfin, le clan de Brahim Ghali, qui est supposé protéger et prémunir la population. Alors d'après vous, l'ampleur de ces détournements, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de ces détournements? Mais avant ce documentaire, est-ce que vous avez une idée sur sa genèse? Enfin, comment il a été fait, comment il a été conçu, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé? L'idée est venue tout simplement qu'on sait ce qui se passe à Tindouf. On sait ce qu'est la vie dans les provinces du Sahara au Maroc, c'est-à-dire les Ayoun, les vrais, pas les maquettes de Wilaya qui sont placés au Wilaya de Smara, au Wilaya de l'Ayoun, au Wilaya de Boujdour, etc., ou à Mgala, dans les camps de Tindouf. Et qu'il fallait démontrer ça. Donc l'idée est toute simple. On ne va pas faire dans la propagande. On n'a pas besoin de faire dans la propagande parce que la souffrance se suffit à elle-même. D'où l'idée de faire rester comment arriver à Tindouf. Il est impossible pour une équipe de journalistes marocains déclarés d'être acceptée ni par le Polisario, ni moins encore par les services de sécurité algériens. D'où l'idée de recourir à une journaliste européenne, de préférence espagnole, en raison d'un jugement favorable auprès des gens d'Alger et auprès des gens du Polisario, des journalistes espagnols comme pour des raisons historiques sur lesquelles on n'a pas besoin vraiment de revenir maintenant. Et le choix est tombé sur cette journaliste, Patricia, j'espère que je m'écorche. Parce que les Basques, je ne sais pas comment est-ce que le J se prononce. Je prononce certainement très mal aussi. Parce que d'abord, les Basques, elle est familière avec ses problèmes d'autonomie, et le Maroc est dans cette dynamique avec son plan d'autonomie. Ensuite, il n'a jamais traité de la question du Sahara. Il est étranger à cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de préjugés. Il n'a pas d'idée préconçue sur l'affaire. C'est ce qu'elle explique au début, justement. Elle l'explique au début. Et donc, on ne lui a rien demandé. On lui a demandé seulement. Enfin, la rédaction de Midi 1 TV lui a simplement demandé de voir et de rapporter ce qu'elle voit. Ce qui est. D'où l'intérêt de ce documentaire. Et je crois qu'il a été fait de façon très subtile, très intelligente, et qu'on ne peut pas réfuter aujourd'hui, vu que ce sont des choses de plus en plus criantes. C'est, je crois, un documentaire qui va devoir prospérer en plusieurs langues, qu'il va falloir projeter un peu partout pour témoigner de la tristesse des états de lieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Hassan Saoud, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas d'opinion, il n'y a rien. Il y a des images, que ce soit ici à Laayoune ou là-bas à Tindouf, des images. C'est descriptif, c'est uniquement descriptif. Alors, il y a un moment, et je vous posais la question juste avant. Il y a une équipe de journalistes et de réalisateurs marocains qui ont été avec elle, mais pas. Non, moi, je parle du commentaire de la journaliste. Non, voilà. C'est des instantanés descriptifs. Voilà. Alors, parmi les descriptions, il y a cette question de pharmacie et de médicaments. Et de détournement. Est-ce que vous avez une idée de ça? Parce qu'on en parle depuis au moins 12 ans, depuis le rapport de l'OLAF. J'aurais pu vérifier le chiffre avant, parce que d'abord, il y a eu, vous connaissez l'association France Liberté de Daniel Mitterrand, qui a pendant longtemps, surtout dans les années 80, été d'un soutien inconditionnel au Polisario, et qui, au bout du compte, déjà au milieu des années 90, fin des années 90, s'était rendu compte de l'arnaque et des vols, et qu'il avait publié à cette occasion un rapport scandaleux, ou plutôt scandalisant, sur les détournements qui sont faits de ce qu'on appelle l'aide humanitaire. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé, cette aide humanitaire qui, quelque part, l'une des raisons pour lesquelles l'Algérie et le Polisario refusent le recensement des populations
qui sont à Tindouf parce que cette aide elle-même est disproportionnée par rapport aux besoins réels de cette population. Par la suite, il y a eu une enquête de l'Union européenne, une enquête parlementaire. Les chiffres, ça se chiffre par milliards. Mais je n'ai pas en tête le chiffre exact. Toujours est-il que le détournement est avéré et on a vu les témoignages qui disent qu'il y a des médicaments qui arrivent. Il y a un médecin qui dit que nous sommes arrivés avec 1000 kilos, avec une tonne de médicaments, qu'on ne retrouve plus quelques semaines après. Et même que dans le documentaire, il y avait un employé de Polisario dans un centre hospitalier qui avait sa propre pharmacie et que les médicaments qui étaient donnés comme aide humanitaire se retrouvaient en vente cette pharmacie. Alors, Charles Rodani, qu'est-ce que, d'après vous, vous connaissez bien ces choses-là, la communauté internationale, elle voit ça, elle dit rien, mais qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant pour arrêter ces détournements, pour venir en soutien à cette population qui est en danger? Écoutez, maintenant, la situation dans les camps de Tindouf, c'est un secret polichinelle. Tout le monde sait, tout le monde se tait. Donc, tout le monde connaît la réalité, la vérité, ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, ce reportage, encore une fois, nous a montré la délicate situation dans laquelle sévissent ces gens-là, dans laquelle les exactions qu'ils subissent. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde le sait, ces gens-là, ces séquestrés, c'est un outil de régulation géopolitique subjective de l'Algérie qui est rentré dans une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie de bord à l'abîme avec le Maroc, donc dans le sens de créer un état-lige entre le Maroc et la Mauritanie. Ça, ce n'est pas faisable, tout le monde le sait. Aujourd'hui, les expériences à l'échelle internationale ont montré le refus. Tout le monde le refuse, oui. Selon les dernières total, déclarations de le refus total de séparatisme. On sait bien, lorsque les Catalans ont cherché de monter en créneau, donc la communauté internationale a été là. Donc aujourd'hui, il faut d'abord l'OLAF, le bureau antifraude à l'échelle de l'Union européenne, nous a montré à quel point ces gens-là sont un outil pour une manne d'argent, les contribuables européens en train de financer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est éphémère. On ne connaît pas le nombre de ces gens séquestrés. Donc aujourd'hui, la communauté internationale doit bouger. C'est une responsabilité partagée entre l'Algérie et aussi la communauté internationale. Aujourd'hui, je pense que maintenant, à la lumière de ce qui se passe dans la région, la situation en Libye, la situation dans la ceinture stratégique, le Soudan, la Libye, l'Algérie, donc aujourd'hui, il faut bouger, parce qu'on est vraiment dans une situation qui peut dégénérer. Le porteur euro-méditerranéen, il est vraiment face à des menaces, à des risques. Ce qui se passe dans les camps de Tindouf montre maintenant qu'il faut recenser ces gens-là, il faut connaître leur identité, il faut bouger pour qu'on trouve une solution humaine. Pour vous, c'est la première des choses à faire, c'est d'abord de savoir à qui on a affaire et à combien de personnes nous avons affaire et quelles sont ces personnes qui sont victimes puisqu'ils sont sortis. C'est la condition sine qua non. Oui, Hassan Saoud. Il faut signaler deux éléments importants concernant la fraude sur l'aide humanitaire. D'abord, c'est l'OLAF qui a signalé et il y a eu des enquêtes de terrain qui ont été faites. Antifraude de l'Union européenne. De l'Union européenne à partir du port d'Oran. Et ils ont déterminé tout le circuit mafieux qu'il y a entre l'oligarchie du Polisario, les hauts responsables douaniers et les galonnés de l'armée. C'est ce circuit-là qui a été vraiment identifié. En plus de ça, la non-inscription ou le non-recensement des populations, mais l'Europe a fait quelque chose après ce rapport-là. C'est qu'au lieu de donner de l'aide humanitaire pour 150 000 habitants, elle a réduit à la baisse. Maintenant, il table sur 90 000. Ça, c'est les chiffres officiels de l'Union européenne. L'aide a été révisée. C'est le chiffre qui avait été avancé par Antonio Guterres du temps où il était au commissaire aux réfugiés. Oui. Maintenant, ils ont révisé à la baisse l'aide humanitaire sur un chiffre de 90 000, qui est de surcroît plus élevé que la réalité. Faut-il le signaler. En plus de ça, ils ont aussi identifié tous les circuits de vente. Vous savez que l'aide humanitaire arrive en Mauritanie.
arrive dans les pays du Sahel. Elle est dans les villages algériens. Tout ça a été identifié de manière structurelle pour montrer qu'il y a de la perte et qu'il y a un enrichissement illicite derrière par cette oligarchie qui a des comptes à l'étranger via ces ventes illégales d'aide humanitaire. Et évidemment, en conclusion, c'est quand même une population qui est un créneau porteur et qui est un fonds de commerce d'une milice, de l'élite d'une milice polisarienne. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, prise en otage collective. Oui. Si vous me permettez, le problème aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, c'est que le scénario le plus plausible, et d'ailleurs même lorsqu'il y avait une enquête de l'OLAF sur le détournement de l'aide humanitaire destinée aux séquestrés, c'est que des groupes terroristes tirent profit de la situation. C'est ça ce qui est vraiment grave. Et aujourd'hui, je pense, moi, la communauté internationale, moi, je pense la lecture de l'engagement de l'Union européenne les relations stratégiques et le partenariat stratégique du Maroc à un niveau très élevé en signant les accords de la pêche et les accords agricoles. Moi, c'est une réponse pour ce qui est en train de se passer dans les comptes des Tindouf. On doit renforcer une relation avec le Maroc. Il y a un État-nation qu'il faut essayer de solidifier, de mettre en valeur, et aussi il faut traiter le problème à l'échelle internationale. Moi, je pense aujourd'hui la réponse va être dans la résolution du Conseil des Conseils de sécurité des Nations Unies très prochainement, qui est en train maintenant. Moi, les Américains commencent à réfléchir autrement sur la situation du Maghreb, surtout avec ce qui se passe en Libye, avec cette déliquescence existante et la prééminence aussi du projet de l'autonomie maintenant, qui est une sorte d'autodétermination. Parce que autogérer démocratiquement, c'est l'autodétermination, ce que propose le Maroc avec le plan d'autonomie. Donc une population qui va vivre dignement, qui va gérer les choses d'une manière, une autogestion de la part de la population des provinces du Sud. Donc je pense qu'il y a maintenant, je vois qu'il y a des choses en train de changer en faveur de la conception du Maroc. Donc, d'une manière globale. La perception du Maroc par la communauté internationale. Tout à fait, De ce qui est en train d'être fait. Alors, on revient au camp de Tindouf, Naïm Kamel. Comme je le disais en introduction, il y a eu des affrontements dernièrement, il y a une semaine, entre les membres de deux tribus, devant des miliciens du front qui sont finalement révélés tout à fait impuissants à réagir. D'après vous, comment on pourrait expliquer ces tensions? Je vous donne un élément de réponse déjà, qui est que, bon, il y a des jeunes qui reviennent, qui ont été faire des études à l'étranger, qui reviennent et qui voient cette situation que nous avons vue dans le documentaire. D'après vous, comment on peut aussi expliquer ces tensions dans ce qui se passe à Tindouf? Mais on arrive à la mi-temps de cette émission. Vous allez répondre à ça après la pause, si vous voulez bien. À tout de suite. Bonjour, nous reprenons notre débrief, la deuxième partie du débrief, et nous poursuivons notre débat sur le documentaire de Tindouf Alayoun, La route de la dignité, avant de partir en Algérie pour voir où en est arrivée la situation. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Hassan Saoud. Vous êtes analyste politique spécialiste de la région du Maghreb. Chalkaoui Roudani, vous êtes universitaire et expert en géostratégie. Naïm Kamel, vous êtes directeur de Quid.ma. Et juste avant la pause, Naïm Kamel, je vous posais la question de savoir de comment on peut expliquer les tensions qui agite aujourd'hui les camps de Tindouf et qui conteste de plus en plus le clan dirigeant. Ouais. Ben écoutez, d'abord, il y a la lassitude. C'est vrai qu'au bout d'un demi-siècle. Pratiquement un demi-siècle que des populations sont entassées dans des conditions de vie inqualifiables. Donc il y a ce fait. Il y a également la promiscuité qui se crée de ce fait. Cette coexistence entre différentes tribus, et sachant que c'est une société tribale, très stratifiée, avec les tribus dites dignitaires et des tribus autres que celles-ci. Et il y a donc des querelles. Il y a également les avantages accordés aux uns aux autres. Il y a toute la conjonction de ces problèmes qui fait qu'à un moment donné, la situation, on arrive à l'explosion ou à des heurts, comme on en a vu cette semaine dans les camps de Tindouf, entre différentes tribus. Donc c'est quelque chose de très compréhensible, somme toute, vu l'état des lieux. Mais il y a également cet écart énorme qu'il y a entre
l'avis de la direction du Polisario, qui, elle, on va dire, mène un standing de vie 5 étoiles, qui, la plupart du temps, est à l'étranger, et la moins lotie est à Alger. Ou alors dans d'autres villes. Dans aucun cas à Tindouf. Dans aucun cas parmi les populations, de Tindouf. Tout ça, ça crée évidemment les conditions nécessaires ou les conditions à même de provoquer ce genre de heurts. À mon avis, il va falloir que cette population trouve le moyen pour que cette population se prennent en charge. La situation aujourd'hui le permet. L'Algérie elle-même, les Algériens eux-mêmes, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Oui. On sent arriver à la lassitude. Alors on va en parler, dans quelques instants. Donc a fortiori, vous imaginez, voyez un peu ce qui se passe en Algérie. Et décupler ça par 10, par 20, par 30 sur les populations de Tindouf, et vous avez ce qu'on a vu durant cette semaine. – Alors vous parlez de ras-le-bol, de prise en main, Charqa Ouroudani, est-ce qu'on peut aussi expliquer ces tensions par le fait que, au bout d'un certain temps, voyant leurs amis au Sahara marocain faire les élections, avoir une autonomie, enfin vivre normalement, est-ce qu'on ne peut pas expliquer aussi ces tensions par le fait que ces gens qui sont là n'ont jamais été élus par personne, ils sont désignés par le haut, quoi. Moi, sincèrement… – Est-ce que ça peut être aussi un élément d'explication ?– Moi, je pense que les tensions existant maintenant, qui continuent d'exister dans les camps de Tindouf, c'est un prélude de changement vers la radicalisation. Et je peux aussi citer plusieurs exemples à l'échelle du continent africain. Moi, je me souviens très bien et je me rappelle très bien la situation au Kivu Nord, dans la RDC, lorsque le mouvement séparatiste M23 a cherché de se repositionner à l'échelle du continent. Donc je pense qu'on en vit donc une similitude de situation. N'oublions pas aussi aujourd'hui même dans l'État sahélo-saharien et donc dans les régions limitrophes, il y avait des tensions qui ont monté récemment, surtout avec les Poules et les Dogons et les Mosis, surtout au Burkina, au Nigeria et au nord du Mali. Donc je pense qu'il y a l'onde déstabilisatrice en train de se propager et je ne pense pas que les camps de Tindouf, vu la situation humanitaire, vu la situation dans laquelle s'enlise la population et les gens séquestrés, je ne pense pas qu'on va se retrouver demain après-demain avec quelque chose qui est encourageant, mais je pense qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, la situation va être déstabilisante dans la région tout entière, et notamment maintenant dans ce qu'on appelle les zones grises, et la situation géopolitique va être malheureusement ébranlée par ces tensions-là qui vont continuer avec le temps. – Alors la réponse du Polisario, le dirigeant du Polisario, c'est la répression. Donc on parle de barbelés, de murs de sable qui entourent les camps. Hassan Saoud, comment se passe la situation sécuritaire? Je ne sais pas si on peut parler de sécurité en l'espèce. Parce que la sécurité, elle a une vocation noble, c'est d'assurer des droits. Et dont le plus important est le droit à la liberté. Liberté de circulation, liberté de réunion, liberté de parole, et puis des droits. Et la sécurité, c'est ça qui le permet, c'est ça sa vocation. Or, nous sommes en face d'une population qui est enclavée et qui vit dans une situation tribale très exacerbée, c'est très important, dans la discrimination et dans le favoritisme des uns par rapport aux autres. Est-ce que… – Il y a même des heurts intertribaux entre des familles. – Exacerbées par une politique… Et puis, il y a une présence de milices policières à l'intérieur des camps qui tyrannise une population. Les gens ne peuvent pas se réunir. Sauf que maintenant, la peur a changé de camp et les gens sont en train de manifester. Parce que évidemment, il y a cette tache d'huile, il y a l'émulation algérienne qui crée quand même, qui donne un vent en poupe chez la population et qui commence
à dénoncer tout ce qui leur paraît anormal et qu'ils taisent depuis longtemps. Et ça, c'est un élément nouveau. Mmh. Évidemment, quelle est la réaction du Polisario? C'est d'abord circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'on étouffe beaucoup de choses. Vous savez, le document, je pense qu'il dit le peu de choses dans la réalité. Les viols, les isolements, les séquestrations individuelles, tous les abus que vous pouvez imaginer et des journalistes. Ça a été bien dit dans le documentaire, oui, mais, avec Mahfoud, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui a parlé de sévices sexuels. Il suffit de savoir que Brahim Ghali lui-même est poursuivi pour crime contre l'humanité, pour crime de guerre. Pour viol voilà. En Espagne. Et c'est ça, il est toujours poursuivi. Et ce bonhomme qui témoigne à visage découvert, à ses risques, il l'a fait à ses risques parce que c'est le désespoir, c'est un cri de désespoir. Je ne sais pas si ce jeune homme-là a encore un goût à la vie. S'il s'est exclamé comme ça, c'est parce qu'il sait que pour lui, je pense, la vie, on a brisé quelque chose de sa vie. Les ressorts qui ont été cassés. Et il faut multiplier les Mahfoud par des centaines. Et un risque aussi important, c'est la radicalisation des comportements de certains jeunes qui sont là, qui sont en âge de travailler, qui sont en âge d'être actifs, et quand on met à l'intérieur des barbelés, il y a ce risque-là. Et la communauté internationale, les collègues l'ont dit, doit être vigilante par rapport à cette partie de Tindouf, à cette population qui risque d'être un incubateur terroriste futur. Très bien. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans ce documentaire, c'est que la journaliste Medjidi Khouess, au début, disait qu'elle ne connaissait absolument rien. D'ailleurs, vous le disiez, Naïm, qu'elle ne connaissait pas grand-chose à la question du Sahara. Et puis, elle est partie pour se faire une idée. Et à la fin, elle a fait un autre commentaire où, toujours sans jugement de valeur, toujours sans exprimer son opinion, elle montre que quand même elle a compris des choses, elle a vu en juxtaposant la situation à Tindouf et à Laayoune qu'il y a quand même des différences et que ces différences, il faut trouver des solutions. Alors on va rester en Algérie, puisque Tindouf c'est en Algérie, c'est là-bas que se trouvent les camps. On reste donc en Algérie où la contestation s'amplifie, Abdelaziz Bouteflika est parti, un chef de l'État par intérim a été désigné et une élection présidentielle est programmée pour le 4 juillet. Mais rien n'y fait, la rue tient bon et tient aussi à son mot d'ordre de dégagisme du système. C'est le cas pour Kamal Fenech, le successeur du premier B tombé, Tayeb Belaïse, qui commence déjà à être contesté et dont on demande le départ. Et depuis cette semaine, des signes avant-coureurs d'une lutte au sommet au niveau de l'armée apparaissent. Donc Algérie, la contestation s'amplifie. Naïm Kamal, on commence avec vous sur ce deuxième thème. La démission de Tayeb Belaïse, est-ce qu'on peut considérer que c'est un premier pas qui a été gagné depuis le départ de Bouteflika? Et ce départ, il signifie quoi? Qui était Kamal Fenech et pourquoi il contestait aussi? D'abord, il n'est même pas encore installé. Le départ de Belaïse, c'est un départ du premier B des 4 B, parce qu'on parle beaucoup de 3 B, mais en vérité, il s'agit de 4 B. Mmh. Il y a Belaïz, il y a Ben Salah, il y a Bedoui, premier ministre, il y a Mouad Boucherib, qui est président du Parlement, enfin de la Chambre basse. Donc il y a 3 B. Il y a déjà un B qui est tombé parmi les 4. Finalement, ne sont que le symbole de ce système. Mmh. Et que ce départ, c'est-à-dire… – Sachant qu'on peut continuer sur votre raisonnement en disant qu'initialement il y avait 5 B et il y en a deux qui sont tombés avec Bouteflika. – Maintenant il reste 3. – Très bien. – Mais est-ce que, la question, la vraie, est-ce qu'avec le départ des 4 B ou des 5 B, on en aura fini avec le système tel que le revendique la population algérienne qui sort continuellement en alternance? Vous avez le mardi, c'est celui des étudiants, le mercredi, c'est celui des avocats, le vendredi, c'est toute la population, et ainsi de suite. Vous avez des actions sectorielles tout au long de la semaine, et puis la convergence vers le vendredi saint de la révolte algérienne. Ce vendredi, on en est à la 9e, au 9e vendredi. Donc il y a le départ. Il y a aussi une crispation du système parce qu'il y a deux jours, c'est le BRI, les brigades d'intervention qui sont rentrées à l'université. Au pied levé par Kamal Fenech. Kamal Fenech est un ancien procureur. Il est mêlé à des affaires de la répression contre le peuple algérien. Non plus, il n'a pas une belle image. Mais cette incapacité
du système algérien à générer ou à mettre en avant des hommes qui seraient non entachés, qui ne seraient pas contestés ou qui pourraient générer ou faire autour d'eux un certain consensus ou être plus ou moins acceptables. C'est cette incapacité à trouver des alternatives aux hommes en place qui est quand même très éloquent, très significatif. Est-ce qu'il n'y en a pas, ou alors est-ce qu'il y en a et que le système ne veut pas les adouber pour ne pas ouvrir une boîte de Pandore? Mais est-ce qu'ils appartiennent au système? Il y a des hommes comme Mouloud Hamrouche ou comme Talb Ibrahimi qui sont du système, mais qui ont été en divergence avec le système, qui sont plus ou moins qui ont su plus ou moins garder une certaine distance avec les malversations, qui ont une image d'intégrité, etc. Mais ces hommes-là, on ne veut pas les appeler pour l'instant. Et est-ce qu'on va les appeler? On les évoque, mais ce n'est pas certain que ça va se faire avec eux, surtout qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une autre confrontation, c'est-à-dire qui est en train d'émerger à la surface les vrais protagonistes de la lutte autour du pouvoir. Et on l'a vu lors de la dernière sortie du général chef d'état-major Gaït Salah, mettre en cause l'ancien patron des services de renseignement et de sécurité, le général Taufir. Et là, on est dans une confrontation pratiquement directe entre celui qui fut longtemps l'homme de Bouteflika et celui qui fut l'allié de Bouteflika, parce que c'est toute la nuance et toute la différence entre les deux. On va rester déjà sur les B, on va arriver au général Medienne, Chalkaoui et Roudani. Est-ce qu'on peut escompter un départ dans pas longtemps des deux B restants, enfin de Ben Salah et de Bedoui? Est-ce que c'est possible? Et qui est le chef de l'État maintenant? Parce que quand on le voit à l'écran, quand on voit Gaït Salah multiplier les prises de parole, alors que Ben Salah ne s'est pratiquement pas exprimé depuis qu'il assure l'intérim. Donc est-ce qu'on peut attendre un départ? Exprimé pour son installation et c'est tout. C'est tout, depuis. Donc c'est pour ça que je dis pratiquement pas, parce qu'il a absolument rien dit. Entre-temps, il y a le général Gaït Salah qui a pris 3, 4, 5 fois la parole. Donc est-ce qu'on peut escompter le départ de Bedoui et de Ben Salah, et qui dirige l'Algérie actuellement? Moi, je pense que la situation est plus compliquée, plus difficile. D'ailleurs, parce que la stratégie de l'armée et de Gaït Salah, elle a été d'avancer l'article 7 et 8 et après l'article 102. L'article 7 et 8. C'est l'inverse. Il a commencé par le 102 et après tout à fait. Après 7 et 8, donc il a cherché une légitimité populaire pour qu'il puisse donner raison à ses conceptions pour essayer de rester dans ce qu'on appelle dans l'approche constitutionnelle. Maintenant, il y a un président qui, en interim, c'est Ben Salah. Je ne pense pas que les élections vont être respectées, c'est-à-dire le 4 juillet, parce que le délai est très court. Maintenant, il faut changer le code électoral. Pour changer le code électoral qui est favorable aux partis installés, ce sont les partis au pouvoir, donc ça ne marche pas. Deuxième chose qui est très importante, c'est que la contestation populaire aujourd'hui et le mouvement populaire n'est pas incarné, non incarné, et refuse d'être récupéré. Ça, c'est un autre problème qui est malheureusement, qui peut vraiment, et va à une situation plus, qui expose l'Algérie à un risque de déstabilisation globale. Je pense aujourd'hui, le départ de Ben Salah ou Bedoui, c'est tout à fait légitime si on vient, si on essaie de lire et de décortiquer même les revendications populaires algériennes, vu la situation, parce que ce sont des classiques du pouvoir ancien. Et aussi, donc, il y a une revendication de changer tout le système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie représentative que vous nous proposez, ça c'est les Algériens qui parlent, n'est pas vraiment à la hauteur de nos contestations, à la hauteur des aspirations du peuple algérien qui cherche de voir les choses, de voir son pays à la hauteur de ses richesses naturelles qu'engrangent les terres algériennes. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a une situation qui va vers donc une solution extra-constitutionnelle, c'est-à-dire il faut chercher une figure qui est, il y a unanimité qui est respectée pour gérer toute une institution de transition capable vraiment de faire beaucoup de réformes à l'échelle de la loi électorale qui date des années et aussi qui a été construit et qui a été établi pour tout un système malheureusement qui maintenant qui devient caduque. Aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que maintenant l'Algérie, il y a une situation difficile parce que
nous sommes dans une situation qui exige des réponses à des questions qui sont très profondes, parce que le peuple algérien ne cherche pas que le départ, parce que maintenant, Gaït Salah, il a sorti toute une... le fait d'aller vers le jugement de certaines personnes qui étaient impliquées dans le détournement de beaucoup d'argent. – Ça, c'est de la communication, on a dit ça. – Oui, la communication, mais ça se voit, ça nous donne une image de l'Algérie et donc de la situation qui va venir. – C'est-à-dire qu'on est en train de se diriger vraisemblablement vers une direction collégiale. On le voit, Raïd Salah, depuis le début, avance par palier. Il lâche du lest, puis il attend la réponse. En fait, il réagit, il n'est pas puis dans l'action, il est dans la réaction. Il est dans la réaction, il est parti de l'article 102 pour en arriver à l'article 7 et 8 de la Constitution. Il en est arrivé, il est parti de l'élimination de Bouteflika pour en arriver. Et aujourd'hui, il ouvre les perspectives. La dernière intervention, il dit « toutes les options sont sur la table ». C'est-à-dire, il n'exclut aucune alternative, même celle de mettre en veilleuse la constitution actuelle et de voir une solution pour qui pourrait satisfaire la demande populaire, parce que c'est ça son souci, et en même temps le maintien de la stature ou de la place de l'armée au sein de la société algérienne. C'est pour ça que j'ai posé la question de qui dirige, parce que finalement on a deux partis en Algérie actuellement. On a d'un côté un peuple qui est magnifique, on n'est pas sûr qu'il fait unanimité à l'intérieur. Alors justement, on y arrive. Donc on a d'un côté un peuple qui est magnifique, extraordinaire, qui est en train de donner une leçon de civisme, de politique et de citoyenneté au monde entier. Et puis de l'autre côté, on a un état-major qui est en train de patauger. Alors Hassan Saoud, vous connaissez bien cette problématique. En début de semaine, le général Gaït Salah s'en est pris directement à l'ancien patron du DRS, Tofiq Mejlis, qui n'a pas nommé, mais il a dit l'ancien patron du DRS, département recherche et sécurité. Est-ce que ça annonce quelque part un combat des chefs, sachant que le général Tofiq Mejlis, qui a été démis de ses fonctions, qui a été révoqué fin 2015 par le clan Bouteflika, dont fait partie Gaït Salah, garde quand même des atouts en main. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'assez incertain? Ce qui est sûr, c'est que l'inimitié Gaït Salah-Tofiq est séculaire et c'est un secret de polichinelle. Quand il était à la DRS, Médiane étouffait Ben Salah. Ça, c'est connu. Il a réussi à restructurer. Médiane était au DRS depuis 1990 jusqu'en 2015. Gaït Salah a été nommé à la tête de l'état-major. 92, a été nommé à l'état. En 2005. En 2005 ou 2006. Donc, bon, il y a quand même une période où le général Médiane Tofiq tenait les rênes. Et il a réussi à restructurer tous les renseignements en ayant tous les pouvoirs, y compris la coordination des services de sécurité. Donc nous sommes dans une guerre de tranchées qui s'est transformée en affrontement. Il faut dire aussi que Médiane, il a réseauté. Il a réseauté pendant 25 ans, il a ses relents un peu partout, comme le général Gaït Salah. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dernier avertissement avant de s'en remettre à la justice. Est-ce qu'il pourra, Gaït Salah? Dans le désordre ambiant, c'est possible. Mais, est-ce que ce n'est pas dangereux? Mais tout à fait. Mais parce que ça risque, à mon humble avis, de créer davantage de dissension au sein de cette institution militaire qui veut, dans cette période-là, c'est très important, rester solidaire jusqu'à la sortie de crise. Mais il n'est pas dit que demain, lui-même sera la cible du dégagisme. Et ça a commencé. Si vous avez fait attention à des pancartes, il n'est pas épargné. Non. D'accord. Il n'est pas épargné. Et au sein de l'institution militaire que beaucoup croient monolithique, ça n'est pas vrai. C'est une institution qui a été façonnée par Bouteflika de manière à cloisonner et adresser les uns contre les autres, parce que s'il y a quelqu'un qui s'est méfié de l'armée, parmi les présidents algériens, c'est bien Bouteflika. Alors, monsieur. Pour compléter un peu cette histoire, vous voyez, en 2015, le clan Bouteflika Gaït Salah réussit plutôt à éliminer le général Tofiq du DRS. Pourquoi? Oui, c'est très simple, parce que Tofiq était trop puissant, trop fort. Vous connaissez trop de choses. C'est un détail pour aujourd'hui. Non, il était contre le quatrième mandat. Oui,
Il l'a dit. C'est pas sûr, en 2014, c'est, il était contre. C'est pas évident. Allons-y, continuez. Aujourd'hui, c'est un détail. C'est tout à fait opaque ce qui se passe. C'est l'opacité du système. Mais on peut quand même lire. Et depuis 2015, on a vu quelque chose auquel on n'a pas fait attention ou pas très attention quand ça se déroulait. C'est la tournée permanente des popotes du général Gaït Salah. Il n'a pas arrêté. Qu'il a commencé après l'AVC de Bouteflika. Quand Bouteflika a été affaibli, c'est là où il a commencé. Il a mis son trier, il est sur le pied de guerre permanent. Il est sur le pied de guerre permanent et il est parti pour justement déréseauter l'armée. Et ça s'est achevé par la série de limogeages des généraux à laquelle on a assisté en 2017, 2018 et début 2019. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore si vraiment au sein de l'armée, et on l'a vu quand il s'agissait de sommer Bouteflika de partir, qu'il a été contraint de réunir l'état-major officiellement et de filmer la réunion de l'état-major pour montrer une certaine unité de cet état-major avant de sommer Bouteflika. Donc, tout ça est en train d'émerger depuis le début. Celui qui a commencé cette affaire, c'est Yamin Zerwal, quand il a dévoilé qu'il a été contacté par le général Mdine pour le faire revenir. Alors, on assiste à cette montée, à remonter à la surface de ce qui risque vraiment de faire demain l'instabilité. Alors, il nous reste exactement deux minutes, même pas. Je voudrais quand même vous poser une question, mais vous répondez rapidement. Vous en parlez, Cheikh Qawi Rodani, il y a un instant. Entre un système qui s'effrite, des maires qui refusent d'organiser l'élection, des juges du club, des magistrats du club des juges, qui refusent de superviser les élections, et une population qui conteste l'élection, est-ce que vous pensez que cette élection, le 4 juillet, aura lieu? Rapidement, Hassan Saoud, après Cheikh Qawi Rodani. Moi, je pense que le plus urgent, à mon humble avis, c'est l'élection d'un président. Or, dans l'état actuel des choses, la population ne veut pas d'une élection qui sera conduite par le système. La Deuxième République, c'est autre chose que ces gens-là. Et à mon humble avis, le 4 juillet n'est pas une date convenable, sauf s'il y a le forcing de celui que vous savez. – Cheikh Qawi Rodani, en 30 secondes. – Moi, je pense que la déliquescence existante maintenant dans le système concentrique de pouvoir algérien montre que les élections, donc, dans le délai qui a été fixé par le président en intérim, ne sera pas le 4 juillet. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de réformes à faire. Les contestations populaires et les mouvements populaires, leurs revendications ne vont pas dans le sens que de mettre en place des élections, mais d'écarter beaucoup de caciques qui sont toujours traditionnellement imprégné par la perception politique du pouvoir, de l'ancien pouvoir du clan Bouteflika. C'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.